je vais reprendre à peu près dans la même, dans les mêmes textes, dans Philippiens chapitre 4, l'épître aux Philippiens. Et sans prendre tous les mots, tout ce qui est écrit, on reprend la même idée. C'est, si vous avez bien écouté l'histoire aux enfants, vous êtes, comme moi, dans la prison de Paul à Rome. Avant d'écouter ce texte d'un prisonnier, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que comme nous l'apprenons de l'écriture de Paul aujourd'hui, tu nous accompagnes et tu veux nous... Tu es présent dans toutes les circonstances de nos vies. Et tu veux surtout que chaque partie de nos vies nous montre qui tu es un peu plus. Et Seigneur, merci de nous faire pénétrer dans ce cachot aujourd'hui pour te voir, pour te connaître et pour apprécier qu'est-ce que c'est que de croire en toi. Nous te le demandons, Seigneur, en Jésus ton Fils. Amen. Philippiens chapitre 4, je vais lire les versets 10 à 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Rendu capable de tout. C'est ma façon de traduire « je peux tout ». Et ce matin, vous aurez un genre d'apéro d'avant le repas. Ça sera plus une méditation qu'une prédication. Et qui fait suite à tout ce que Paul nous a dit les dernières fois, comme « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous, ne vous inquiétez de rien. » Et là, il continue en disant « Je peux tout. » Et moi, je vais prendre pour commencer la prédication la méditation, ce que nous lisons dans plusieurs autres Bibles, « Je peux faire tout. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir un gardien de but à la fin d'une partie de hockey, son équipe blanchie à 9-0, puis lui qui dit « Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » C'est quelque chose qu'on n'entend jamais non plus de ceux-là qui ont manqué le podium aux Jeux olympiques. Je ne suis pas arrivé dans les trois premiers. Pourtant, il n'est pas rare d'entendre des médaillés olympiques, souvent un Américain, qui cite « Je peux tout faire par celui qui me fortifie » quand il y a une médaille d'or ou une médaille d'argent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais écoutez bien, ça arrive assez souvent. Ce phénomène est assez présent dans le sport. Si je suis gagnant, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Si je ne suis pas gagnant, j'ai rien à dire. Mais ça s'observe aussi dans beaucoup d'autres domaines compétitifs. J'en ai parlé tantôt aux enfants. Vous voyez les chiffres des entreprises qui ont une forte croissance depuis les trois dernières années. Et puis, vous allez voir le responsable, le président de l'entreprise. Il peut aussi bien dire, je peux tout faire par celui qui m'a fortifié. Ça va être la même chose pour un film.
qui va sortir dans un gala en Californie. Vous allez voir des acteurs, des producteurs qui vont dire « Ah, c'est le Seigneur qui m'a aidé, je peux tout faire. » Pourquoi est-ce que nous prenons ce verset-là seulement dans le contexte de la victoire? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut nous enseigner dans ce passage? Si tu gagnes, ça vient de Dieu. Mais si tu perds, pourquoi j'ai pris la traduction « Je peux tout faire par celui qui me fortifie » Parce que nous associons généralement ce verset à la victoire à cause du verbe « faire » qui est présent, vous irez voir, dans plusieurs versions de nos Bibles. Et ce « faire-là » fait penser à du succès, de l'accomplissement. La défaite, en revanche, c'est généralement accompagné ou conséquent au sentiment d'avoir moins travaillé ou au fait d'être dépassé. C'est donc logique. Et lorsque nous entendons « je peux tout faire », nous l'associons à la victoire, car les gagnants et les autres y ont fait quelque chose. Les gagnants sont plus capables, les gagnants ont plus travaillé. Si au moment du triomphe, un gagnant attribue au Christ sa force de réussir, comme vous l'avez probablement déjà entendu, j'ai rien contre ça, il fait bien. Mais ça serait une erreur de conclure que ce verset, c'est seulement pour les vainqueurs. Parce qu'il y aurait la moitié de la salle ici, ou les trois quarts, qui diraient « pour les vainqueurs, c'est pas pour moi ». Personne ne devrait penser que chaque fois qu'il n'est pas champion, c'est parce que Jésus n'est pas là, ou qu'il a manqué de foi. Vraiment, c'est vraiment pas ce que Paul voulait dire. « Je peux tout faire par celui qui me fortifie, c'est pas pour les médaillés olympiques. » Revenons à Paul. Au premier chapitre, verset 13, on apprend que Paul, il a écrit cette lettre quand il était en prison à Rome. Vraiment, la prison, c'est pas une place pour les vainqueurs, hein? Les prisonniers n'ont pas tous une médaille d'or au cou. Du moins pas dans notre mentalité. Personne qui va arriver ici puis qui va se vanter « Ah, moi j'ai passé 5 ans en prison. » Bien sûr, Paul ne tirait pas ses définitions de notre monde d'ici-bas. Hein? Son faire, « je peux tout faire », était plus que simplement gagner. Et son tout, « je peux tout faire », c'était plus que avoir son nom sur un trophée. Et là-dessus, j'en ai profité parce que je suis allé dans une autre version qu'on connaît moins, « Nouvelle français courant ». Et ce qu'elle dit pour ce verset-là, c'est « Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. » Ça montre, et vous irez dans d'autres versions, vous allez voir la variété de tout ça. « Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. » Ah! Celui qui n'est pas sur le podium peut dire ça. Si je reviens à Paul, les circonstances de son emprisonnement, ça aurait écrasé tout homme livré à ses propres forces. Je vais donner un petit peu de détails, là, sans être trop sordide, je ne vais pas tourner de film là-dessus. Comme si son incarcération ne suffisait pas, il y avait des prédicateurs peu sincères qui cherchaient à l'affliger davantage. C'est ce que nous lisons au verset 17 du premier chapitre. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Imaginez. Annoncer Christ comme un coup de fouet, comme une punition, augmenter les souffrances. Si j'ajoute au verset 14 du chapitre qu'on vient de lire, qu'on a lu tantôt en commençant, Paul était troublé par ses maigres provisions. Parce qu'il dit « Vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. » Vous irez dans d'autres versions, « Ces détresses, c'est qu'il n'y avait rien à manger. »
Et le gros point qu'on a signalé tantôt avec les enfants, au verset 20 du premier chapitre, c'était que la mort pour lui était une issue aussi probable que la libération. Il dit, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Voyez dans quel esprit. Ce n'est pas un médaillé d'or olympique qui parle. Mais plutôt que d'abandonner Dieu ou de râler contre lui dans la douleur, dans la faim ou dans la peur, Paul était en paix dans ces circonstances. Tellement en paix qu'il nous avait écrit au verset 7 du même chapitre, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Le prisonnier Paul est en train de nous enseigner à accueillir la paix de Dieu. Une paix profonde, une paix durable, une paix que la psychologie ne peut pas expliquer. Personne. Allez pas faire un doctorat là-dessus, vous n'aurez pas de réponse. Quand Paul dit, dans la version que je viens de lire, « Je peux faire face », il est en train de parler du contentement. Et le secret, parce qu'il y en a un secret là-dedans, là, on dit on ne peut pas l'expliquer, donc il y a un secret. Le secret de cet accomplissement qui n'est pas explicable, et on voit la persévérance qui est patiente dans une situation complètement désespérée, son secret, c'est la foi en Christ. Et je relis une partie de notre texte pour vraiment comprendre. Je relis les versets 11 à 13 du chapitre 4. Et Paul écrit, « C'est pas à cause de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Je vous encourage à relire ce passage-là. Moi, j'ai été surpris par le nombre de « j'ai appris ». J'ai appris. C'est sûr que, si on connaît un petit peu la vie de Paul, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. J'ai appris à vivre dans la pauvreté, à vivre dans l'abondance. Donc, quand vous relisez sa finale, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », qu'est-ce qu'il y a dans le mot « tout » ? Je peux tout. Dans le mot « tout », il y a la faim, il y a le besoin, il y a la pauvreté. Et dans le cadre de ce qu'il est capable de faire par le Christ, Paul a en tête des périodes de privation, des périodes d'humiliation. Et je n'essaierai pas de vous donner des détails sordides, là, mais Paul est au fond du trou et nous enseigne la paix. Lorsqu'il est perdant dans la vie, Paul est malgré tout satisfait. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Dieu est en prison avec lui, et toujours avec lui. Donc, c'est une raison pour que les athlètes perdants et les chrétiens, en toutes circonstances, devraient prendre ce verset 13-là pour eux-mêmes. Jésus, il n'est pas venu fortifier uniquement les champions. Jésus assiste son peuple dans la défaite. Il fortifie les siens dans la lutte. Jésus se tient tout près de notre chagrin d'amour.
Et ça, c'est vrai autant que dans les saisons de succès et de prospérité. Et dans ce sens-là, les paroles de Paul dans paroles de Philippiens 4, 13, ils font écho à beaucoup d'autres paroles avant lui. Et je prends celle d'Habacuc, 7 siècles avant Paul, qui disait, Habacuc le prophète qui annonçait un désastre, il dit, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Et j'arrête ici l'énumération parce qu'elle est terrible. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Ce n'est pas de l'Ancien Testament, ça. C'est aujourd'hui. Habacuc se réjouissait en Dieu malgré sa situation de dénuement. Pas seulement la situation de tout son peuple, car il connaissait la force de son Sauveur. Quand les gens vous disent qu'ils n'ont pas beaucoup lu l'Ancien Testament, mais les prophètes, c'est tous des prophètes de malheur, ouvrez et allez lire. Et vous vous rappelez d'un autre de nos frères dans la foi, Job. Qu'est-ce qu'il disait? Au tout début de la grande aventure de 1540 chapitres, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et beaucoup plus proche de nous, nous qui aimons lire les épîtres de Paul, nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, ce que plusieurs connaissent par cœur, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et on a besoin de le mémoriser et de le redire et de l'entendre, que tout ce qui fait pour mon affaire contribue au bien, à mon bien. Parce que le tout est contrôlé par un plus grand tout qui s'appelle le Dieu souverain. Je ne voudrais pas terminer sans faire allusion à la situation du gagnant. Qu'est-ce qui arrive à celui qui a monté sur le podium? Qu'est-ce qui arrive à celui qui a blanchi l'autre équipe avec 3 tours du chapeau? Paul mentionne des temps d'abondance et de plénitude. Il nous dit, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Il y a un tout là. N'importe quoi. Christ doit soutenir son peuple dans les saisons plus aisées également, car la tentation d'oublier Dieu survient pas seulement lorsque les bénédictions sont absentes, mais aussi lorsqu'il y en a beaucoup, beaucoup de bénédictions. Ma santé va bien, ma famille va bien, j'ai de l'argent en masse. Regardez comme ça pousse bien dans mon jardin. Hey, bien, ça y est, mon nouveau char. Penser que nous avons besoin d'aide pour faire face à l'abondance, vous dites, c'est un non-sens, n'est-ce pas? Mais si nous voulons rester fidèles à celui qui donne, au généreux bienfaiteur, si nous voulons résister à la tentation de présumer que Dieu va continuer à donner parce que nous le méritons, nous avons besoin de la force divine pour nous sortir de cette pensée-là, de dire que Dieu qui donne est à mon service. Parce que idolâtrer les dons au lieu de celui qui donne, c'est un risque. C'est un risque qui nous guette dans les périodes où ça va bien. Par conséquent, n'importe qui attribue à Christ le début de son succès doit continuer à s'appuyer sur lui tout au long de cette belle saison, cette saison de bienfaits. Et ce n'est pas plus facile que Paul dans sa prison. Sinon, s'il ne s'appuie pas sur le donateur, il risque d'oublier que ça vient de lui.
Il risque d'oublier son Dieu. C'est pas mieux. Si vous voulez être millionnaire ou milliardaire comme les enfants, en tout cas, vous avez le choix. En prison de Rome ou milliardaire. Dans les deux cas, c'est pas évident, mais dans les deux cas, la parole de Paul s'applique. Je peux faire face à toute situation grâce à celui qui me fortifie. Donc, cette parole nous enseigne que par la foi en lui, notre Seigneur Jésus nous permet d'endurer avec contentement toutes les circonstances dans lesquelles il nous place. De la pression de la pauvreté jusqu'au feu raffinant de la prospérité. Ce « je peux tout » ou « je peux faire face à tout », c'est plus qu'une devise réservée aux chrétiens gagnants, chrétiens vainqueurs. C'est plutôt la revendication continuelle de chaque soldat dans l'armée de l'Éternel. Que nous marchions sur le sommet des montagnes ou que nous traversions le fond des vallées, nous pouvons être satisfaits dans le Seigneur, car il est toujours avec nous, pourvoyant à tous nos besoins et nous conduisant avec amour à la victoire finale. La victoire n'est pas pour dans 5 minutes, la victoire finale en Jésus. Amen.